Alors, on s'est pas trouvé d'équipe. Hey, Zach. De la respiration humaine et animale permet de montrer que par rapport à l'air inspiré qui pénètre dans les poumons, l'air expiré est rejeté par les poumons. L'air contient moins de dioxygène. Il contient autant de diazote, mais il contient plus de dioxyde de carbone. Nous allons voir ça probablement dans l'exercice qui suit. Vous pourrez remplir dans le tableau le pourcentage d'oxygène, de diazote et de dioxyde de carbone. Cette comparaison de l'air. Bonne fête, Jules. C'est pas ma fête aujourd'hui. Ouais, mais on voulait quand même t'offrir un truc. Parce qu'on t'aime bien, quoi. Vas-y, ouvre. Du dioxyde de carbone, consomme du dioxygène et ne nécessite pas de diazote. J'espère que vous avez bien compris le principe. Wesh. Bande de. Je peux me faire avoir cette fois-ci. Oui. 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 Allez, tchuss. Sur 20, bah, c'est pas très gentil. Hein.
Tu peux bouger? Oui, toi, t'es pas capable comme les autres. En fait, tout ça c'est de ma faute. J'étais en cours de sport et j'avais mon chronomètre et puis... Ça, il s'est cassé comment ton chronomètre? Eh bah, je... c'est des gens de ma classe qui ont... Ouais, comme ma montre. Ça me fait trop flipper tout ça. Si seulement tout pouvait redevenir comme avant. Non, pas comme avant. Mais j'ai peut-être une idée pour arrêter tout ça. Ah, en fait, moi c'est Jules, 4ème G. Zach, 4ème sac pas. Consomme du... Bonne fête, Jules. Oh merci, ça fait trop plaisir. J'espère que vous avez bien compris le principe. Vous allez maintenant... Un douzième. Bah, ils sont où mes élèves?